Dieu nous appelle pour faire église. Dieu nous appelle pour faire église. Sa parole nous rassemble pour ce monde divisé. Nous sommes son peuple, parole d'amour. Nous sommes son peuple, parole d'amour. Dieu nous appelle pour faire église. Dieu nous appelle pour faire église. Sa parole est nourriture pour ce monde au corps brisé. Nous sommes son peuple, parole de vie. Nous sommes son peuple, parole de vie. Dieu nous appelle pour faire église. Dieu nous appelle pour faire église. Sa parole est espérance pour ce monde au sang versé. Nous sommes son peuple, parole de paix. Nous sommes son peuple, parole de paix. Dieu nous appelle pour faire église. Dieu nous appelle pour faire église. Sa parole est évangile pour ce monde au cœur troublé. Nous sommes son peuple, parole de joie. Nous sommes son peuple, parole de joie. Dieu nous appelle pour faire église. Dieu nous appelle pour faire église. Sa parole est lumière pour ce monde dans la nuit. Nous sommes son peuple, parole de Dieu. Nous sommes son peuple, parole de Dieu. Brothers and sisters, peace be with you. La paix soit avec vous. Que posez Jésus avec nous toutes. Nous pourrons faire une petite méditation en anglais, très courte, en français, et puis le fini en créole. We are going to have three meditations on the scripture readings of the month of August. One very short in English, one in French, and one in creole. Today is the 2nd of August, which is the 18th Sunday in Ordinary Time. Jeudi, c'est le 18e dimanche, l'année liturgique. The story of the multiplication of the loaves that we hear in today's Gospel subtly addresses the issue of world hunger. Jesus stunned his apostle with his command, "Feed them yourselves." The 12 had only 5 breads and 2 fish. Jesus' order made little sense. They obeyed, boy, no dinner for us tonight, were they probably mumbling. Then the miracle occurred. The crowd of 5,000 was fed, and oh surprise, there were 12 baskets of leftovers. Then they realized that the miracle happened only when they had agreed to give up the little they had. What would have happened if they had refused to share? Great things happen when we give up all we have. What a lesson. Beyond that lesson on the fruitfulness of self-sacrifice, this miracle is what we call a messianic sign. A grandiose miracle announcing a greater mystery, that of the Eucharist. Jesus is actually the bread offered to us in great abundance. The words of prophet Isaiah in the first reading find their meaning in this context. All you who have no money, come, receive green and eat. Heed me and you shall eat well. You shall delight in rich fare. Yes, the Lord satisfies the deepest desires of the human heart.
Jesus' real presence in the Eucharist bread, in the Eucharistic bread, is one of the greatest teachings of Jesus, as well as the teaching on the fruitfulness of self-sacrifice. May you be particularly enlightened by today's gospel readings. The gift of all we have to feed a multitude and 12 baskets of leftover. Follow in the footsteps of Jesus. God bless you. Frères et sœurs, réflexion sur la lecture du 18e dimanche, le 2 août 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Le miracle de la multiplication des pains dépeint Jésus comme le Messie qui invite les foules affamées au banquet d'abondance des derniers temps. Jésus comble toutes les fins de l'homme. C'est à lui que nous devons aller pour satisfaire tous nos besoins. D'autres leçons se glissent dans ce récit riche en couleurs. Les apôtres voulaient vite congédier les mains vides et l'estomac creux, cette foule de 5000 hommes. Jésus rétorque abruptement, « Donne-leur vous-même à manger. » Le commandement de Jésus ne semblait pas faire beaucoup de sens, car dans ce lieu désert, il n'avait que 5 pains et 2 misérables poissons. Comment nourrir une foule avec si peu? Ils obéirent, en maugréant peut-être, et se mirent à distribuer tout ce qu'ils avaient. Ils verront remplis d'émerveillement de toute cette foule se nourrir à partir du maigre lunch qu'ils avaient consenti à partager. Apprenons que devant la détresse humaine, on doit faire tout ce qu'on peut avec ses misérables moyens. Le détachement radical de tout ce qu'on possède semble être la condition requise pour qu'éclate l'action de la Providence. Si les apôtres avaient refusé de partager le peu qu'ils avaient, il n'y aurait pas eu de multiplication de pain. Croyons à la fécondité de l'amour sacrificiel. Évidemment, ce miracle sert en tout premier lieu à entamer l'enseignement de Jésus sur l'Eucharistie. Jésus est lui-même le pain qui comble tous nos désirs, toutes nos fins. Heureux ceux qui le comprennent, heureux ceux qui apprécient ce repas merveilleux auquel l'Église nous convie tous les dimanches. Enseignement sur le don de soi, le don de tout ce que l'on aime, le souci de ceux qui ont faim, et finalement l'enseignement sur l'Eucharistie. Jésus est le pain qui nous nourrit et nous transforme et rend nos actes féconds. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Xemoyo, c'est pour que poser Jésus avec nous toutes. Jodia, c'est 18e dimanche, la journée Jodia, qui c'est le 2 août 2020. Qui s'annoue l'évangile Jésus? C'est Jésus qui t'est prêché, t'es gagné 5000 mounes cap coutel, et puis le lifin prêché. Il pa vle, voye mounio, tourne la caillou avec ventio vide, li dit apotio, bayo manger. Apotio saisi. Tout ça était gagné, c'était 5 pains avec 2 poissons. Ils n'ont pas content, mais ils ont obéi Jésus. Qui s'est passé avec 5 pains avec 2 poissons, ils ont baillé toutes 5000 mounes, ils ont mangé, pire encore, 12 baskets de surplus. Qui ça nous joigne le signe messianique ça. Premièrement, Jésus a montré que là, nous faisons prêcher parole, nous devons avoir inquiétude tout pour la situation mounio, qui fait que nous devons dévouer tout pour soulager grand gouyo, pour soulager misère. Mon devoir
de service qui doit accompagner tout témoignage de l'Évangile. Deuxièmement, nous découvrons que même si on n'avait rien, leur bar tout s'organise, Jésus m'intéresse là. Et même l'hypothèse abondance. Nous voyons ça, le premier morceau de la Bible, nous devons lire, qui sortit le prophète Isaïe. Et puis nous déjà, ouais, l'enseignement, Jésus c'est pain. Jésus c'est pain. Il dit, mangez la paix, ça, n'a gain la vie, n'est allé. Elle nous fait fête pour bel enseignement que nous joignons aujourd'hui. Hein? Enseignement s'oublie était tout, le service les autres, remet les autres. Enseignement que leur fin annoncé bonne nouvelle là, fort qu'a bien souci pour sa gringouillot, pour sa clan misé. Et puis enseignement final sur l'importance de l'Eucharistie pour communier. Parce que Jésus dit, moi c'est pain qui baille la vie, moun qui mange la paix, ça, a bien la vie est allée. C'est pour nous apprendre, disposer que nous, pour nous recevoir la communion, pour nous vivre tout nain, en image de Jésus, l'habitant société des ordres, je dis. C'est pour mon Dieu bénir. Tourne entre mes doigts, avance et glande chaque année. Chante, chante ma confiance en toi. Tourne, tourne mon désir d'aimer. Tourne entre mes doigts, un assez grand de chaque année. Chante, chante ma confiance en toi. Tourne, tourne mon désir d'aimer.
désir d'aimer. Tourne, tourne, tourne entre mes doigts. Un assez grand échappé. Chante, chante ma confiance en toi. Tourne, tourne mon désir d'aimer.